Alex du Québec pour la deuxième partie du test découvert, semi-découvert, pardon, j'ai triché, pour le mode histoire. Et voilà, je vais monter un peu le putain de volume, car on n'entend pas grand-chose. Et voilà, désolé si ça va cracher vos haut-parleurs, mais c'est pas grave. Bon, comme j'ai dit, on va faire la deuxième partie sur le mode histoire. Où sont les dieux anciens, Red? Il a me craint maintenant. Leur mortel combat pathétique le montra. Je m'appelle Shang Tsung. Dans les prochains jours, vous allez tous combattre. Certains d'entre vous sont venus de leur plein gré. D'autres sont arrivés ici par hasard.
Ma belle, Johnny Cage. La belle affaire. Quoi? Attaque massive? Citizen Cage? Le mine du ninja? Ça te dit rien du tout? Cano. Cano? J'ai pas joué dans celui-là. Vous participez au Mortal Kombat le plus important de l'histoire. Ce tournoi, le 10e après 9 victoires du monde extérieur, sera décisif pour le sort du Royaume Terre. Si vous battez tous vos adversaires, vous aurez à relever un dernier défi. Moi. Ah, ce vieux schnock est le dernier défi? Il ferait mieux de me donner la médaille tout de suite. Il donne bien des médailles, non? Quoi? Comment avez-vous? Les apparences sont parfois trompeuses. Notre premier combattant va être Monsieur Cage. C'est ça. Alors, qui s'y colle? Reptile. Jolie cascade. C'est qui votre agent? Allez-y. Et voilà, ouais, on commence la mode histoire directement avec Johnny Cage. Yeah. Voilà, assez jouissif les potes, j'en reviens pas, sur tout le mode histoire, on se verrait dans le premier film. Allez putain, que je te fasse mon putain d'extrait. Voilà, putain fait chier, il y a son saleté d'extrait. Oh putain, ça y est. Putain que ça déchire. Voilà un petit assez énorme les potes, ça se fait chier. Oh putain. Allez, que je fasse mon putain d'extrait de marée. Oh merde, j'ai manqué. Et voilà. Dans tes salles. Putain. Mais putain, il n'y avait pas de couilles ce connard. Et voilà, j'ai remporté la première victoire. Et voilà. Et voilà. Oh ouais, je suis trop beau. Je vais vous écraser, je vais vous casser, et je vais me casser avec vous. Putain qu'il est énorme ce Johnny. Deuxième défi, monsieur Cage. Baraka. Oh putain. Sale gueule de merde. Ça y est. Deuxième putain d'adversaire. Joli maquillage, mais est-ce vraiment nécessaire? Wow. Quel concours à ta chair. Voilà, c'est le connard. Ça fait bien. Ok. Voilà. Oh putain, j'ai failli lâcher les couilles. Oh merde. Attention, c'est sa tête tout ouvert. Voilà. Oh merde. J'ai manqué mon putain d'extrait encore. Oh, ça, connard. Voilà. Assez jouissif comme jeu de combat. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, des mouvements fluides, rapides, une bonne prise en main. Moi je joue avec le stick d'arcade qui est énorme, les potes, on se créerait à l'arcade. Voilà, c'est compliqué. Allez putain. Ah ça fumait. Oh merde, il m'a eu avant. Voilà, petit connard de merde. Et voilà, ça a été barré. Allez, la toi fumier. J'ai pas fini avec toi, saleté de merde. Oh merde. Voilà. Oh putain. Attention à ta gueule. Oh putain. Voilà, il fait de la charcuterie avec moi. Et même putain de mouvement. Oh merde. Attention. Putain d'extrait de marée. Et voilà. Deuxième combat de fait l'époque. J'adore ces lames. Et voilà. Tu dois absolument voir mon producteur. On tourne Tommy au bras d'argent et... Félicitations. Tommy au bras d'argent, saleté de Johnny Cage. Toujours avec ses vannes. Pardon.
Ils veulent qui le tue? Hey, une petite minute, je ne vais tuer personne. Très bien. Le tournoi reprendra donc. Quoi, c'est tout? Vraiment? Bon, où est passée cette bombasse? Où est passée cette bombasse? Merci. Joli chapeau. Vous devriez être plus courtois avec Lord Raiden. Il est le protecteur du royaume Terre, le dieu de la foudre, le... Écoutez, je sais pas quel genre de film vous tournez, vous deux, mais comptez pas sur moi. Ce tournoi n'est pas seulement une quête de gloire. On se bat pour la survie même du royaume Terre. Qu'est-ce que vous racontez? Ton dernier adversaire est Tarkatan. Il est né avec ses lames. Ouais, ces trucs seraient vrais? Il représente le monde extérieur. Si tu avais perdu, l'empereur Shao Kahn aurait fait un pas de plus vers l'absorption matérielle de notre monde par le sien. Le monde extérieur, oui, bien sûr. Les dieux anciens ont créé le tournoi du Mortal Kombat pour donner au royaume Terre une chance de se défendre. Mais si cette fois nous perdons, Shao Kahn conquérera tout. Ta 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 ta! Écoutez les gars, je suis comédien. Je sauve le monde devant les caméras. Si cet empereur est vraiment une menace, appelez l'armée. Moi, j'ai rendez-vous avec une blonde. Ciao. Que voyez-vous en lui? C'est un héros, Liu Kang. Même s'il ne le sait pas encore. Je suis pourtant bien dessus. Fiez-vous simplement au signal. J'ai compris. Et quelle est votre situation? Ils ont Jax. Et si je ne me bats pas dans ce tournoi de dingue, ils vont le tuer. Je vais essayer de... Besoin d'aide? Secourir les demoiselles en détresse, c'est ma spécialité. Encore vous? Écoutez, j'ai de sérieux problèmes. Je ne suis pas d'humeur à me faire draguer par une soi-disant vedette. Allez, une fille comme vous ne devrait pas traîner toute seule dans ce cirque des horreurs. Écoutez, mon chou, je ne peux pas vous laisser sans escorte. Pas besoin d'escorte, et je ne suis certainement pas votre chou. Et voilà, on va affronter Onya. Voilà, peignasse. Assez mignonne, assez coriace. Oh putain. Oh putain. Attention. Voilà, je m'en extrais de marais. Allez. Ma mère, pas réussi à faire m'en extrait. Voilà, dans le round 2. Allez, putain. Ma mère. Voilà, salope. Oh putain. Voilà, je m'en extrait. Oh merde, j'ai manqué! J'aurais pu lui éclater tes babines! Oh putain! Oh merde! Merde, je suis en train de manger une volée! Oh putain! Allez! Merde! Oh putain! Ça y est! Saleté! Putain, ça déchire! Oh ce jeu qui... Oh putain, on va m'avoir la salope. Et voilà. Oh merde, elle m'a eu à la fin. Ceci dit, ça va être la fin du test. Deuxième partie, découverte du mode histoire sur Mortal Kombat. Un jeu excellent pour moi, déchirant. Je regrette pas de l'avoir attendu longtemps. Et puis je vous remercie à tous. Et je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine! Dans ta bisoune!